Tu m'as manqué, mec. Et salut, c'est Max, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur The Evil Within. La dernière fois, on avait fini le chapitre 7 et on avait fini le chapitre 8. Le psychopathe à l'artiste du photographe est mort et du coup, on a découvert que Mira était réellement un monstre de savon. Et du coup, voilà. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Oh. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh là là, c'est pas possible. Où est-ce que je suis? C'est pas possible où je suis là. Carreau. Merci. Il tenait comme ça. Tiens, tiens mon précieux. Oui, nous connaissons pour les chemins pour les hobbits. Qu'est-ce que c'est de ça pour ça? Allô? Aïe! Bienvenue, quêteur. Vous venez chercher des réponses. Je suis là pour vous aider. Qui est là? Ok. On dirait qu'il a été brûlé vif. Des instruments de torture. Ces trucs datent du Moyen-Âge. Attends une minute. Je sais pas si je dois avancer de l'autre côté, y avait une porte. Ce que je vais faire, je vais recharger. Ah, je peux pas.
Eh non! Ah là là. Bon. Il me faut une manivelle pour l'actionner. Comme par hasard, et ça se trouve où une manivelle? Je t'ai dit dodo! Non mais... On fait pas de bruit quand on fait dodo.
Donc rien à faire. Ça devrait faire l'affaire. Pas-je brûler soumis à la liberté? 1. Et résister au temps nature, la nature humaine, qu'il s'agisse de résister au changement, à l'autorité ou désir. Mais le prix à payer, mental comme émotionnel, pour cette résistance dépasse souvent les bénéfices engrangés. L'univers, par sa construction, est trop bien organisé. Trop parfait, comment pourrions-nous croire? Quelle telle perfection soit le fruit du chaos? Jamais l'hypothèse d'un plan. Pour moi. Pour vous. Pour chacun d'entre nous. Certains disent que toute chose a sa raison. Certains appelant ça le destin. Quoi qu'il en soit, malheur à ceux qui tentent de lui résister. D'accord. C'était quoi ça? Comme voix, on dirait que c'était au temps du Moyen-Âge, là. Ah, pochette, ça c'est bon. Il nous reste plus qu'une pochette. Ouais, je peux pas. Allez, 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 dépêchons, dépêchons, dépêchons. Thank you.
peut ouvrir la cuve? Non, on peut pas ouvrir la cuve. Ok. Pardon monsieur, mais je dois passer. Aïe, oui, aïe, oui. Désolé monsieur, mais je devais passer. Alors il y avait un autre truc ici. Alors du coup, c'est parti et on va là-bas. Vous devez descendre pour trouver ce que vous cherchez. Ce n'est qu'en sombrant que vous pourrez vous élever à nouveau. Qu'est-ce qui se passe? Ah mon dieu! Oh, on fait pas comme Resident Evil 7 hein, où il y a le truc comment Ah, allez, comment? Avec les châles qui se cassent. Là, on explore le Moyen Âge, quoi. Vous avez tout perdu. Vos échecs vous ont d'abord conduit à l'inaction, puis au désespoir, et ensuite vient l'autodestruction. Vous êtes qui, monsieur? Attends, je dois jouer comme ça? Remettez la caméra, bon sang. Lily? Tu as refusé de voir. Tout est ta faute. Tu es un raté. Ta fille est perdue. C'est quelqu'un qui parle de Lily, mais. C'est quelqu'un qui manipule Lily. Vous avez la clé pour apaiser vos tourments.
Je peux vous guider jusqu'au verrou. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Vous ne pouvez pas changer le passé, seulement l'accepter. Embrassez-le. Ne l'évitez pas. C'est... Lily ? C'est qui ? Je m'appelle Cher. Oui, parce que je me suis fait un chair de squelette, alors je m'appelle Cher. Cher squelette. Eh, hey, oh! On n'a pas invité les cochons ensemble! Mais c'est pas possible! Bon. Mais c'est pas possible, laissez-moi! Mais... Eh, hey, les gars! Oh! Oh! Vous le savez bien! Alors, vous savez quoi? Vous savez? Mais, oh, hé, hey, chacun pour soi, hein, hé. On peut discuter quand même, non? Ah, bon sang. Il vous voulait pas que je discute. Ton air de Brest. Ton air de Brest. De la puissance. Ton air de Brest. Nom de Dieu que la puissance. Stéphano m'a défié. Il est devenu une épine dans mon pied. Une épine que vous avez ôtée. Pour ça, vous serez récompensé. Stéphano. Ce type le connaissait. Est-ce que je peux améliorer... Oh, je vais améliorer mon fusil à pompe. On devrait arrêter de se voir autant, inspecteur. Embuscade, se mettre à couvert près d'un mur,
Attaque furtive, quand l'icône attaque furtive s'affiche lorsque vous êtes en à couvert, un angle, vous pouvez effectuer une attaque furtive contre un ennemi situé à l'autre côté. L'ennemi doit se trouver à un centre de l'écran pour s'afficher de l'icône d'attaque furtive. Une attaque furtive est impossible si l'ennemi vous a repéré. Fermé. Il y a sûrement un moyen de l'ouvrir. Attends, il faut que je vois. C'est une énigme. Je pensais pas avoir une énigme, moi. Attends. La mode de The Max. Voilà. J'ai pris une photo.
Là, je vais remonter. Et du coup, voilà. Au moins, j'aurai ma photo. Parce que je ne sais pas comment faire. Et du coup, grâce à la photo, je pourrai regarder comment placer l'énigme. Et du coup, ça va aller tout seul. Donc, voilà, ça se fait déjà pas mal. Alors, du coup, voilà. Ça, c'est fait. Voilà. J'ai réussi, yeah. Oh, c'est cool. Oh, j'aime bien. Ça me fait penser à Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider. Vraiment, c'était vraiment ça, l'énigme, etc. C'était vraiment super. Ça, j'étais vraiment content. Ah, je suis... Pour ça, je suis content. C'est bien. C'est vraiment pas mal. Et on va descendre. Non, franchement, c'est... Je pense que le titre, je vais l'appeler... comment ? Je pense que je vais l'appeler... L'énigme Tomb Raider. Je sais pas. À voir. Mais ouais, franchement, j'aime beaucoup. Bon, quittons ce Moyen-Âge là. Oh, ça brûle là. Cinématique, où ça pue ça? Ça pue ça. Cinématique. Il y a pas mal de choses. Donc, je sais pas pourquoi, mais ça sent. Ça sent pas bon. Il y aura du monde. Sebastian Castellanos, vous voilà enfin. Vous êtes qui ? Vous attendez. Et vous êtes qui ? Mes fidèles m'appellent Père Théodore. J'espère que vous y viendrez aussi, mon ami.
qui se prend pour Dieu. J'en ai déjà tué un comme vous aujourd'hui. Ça ne m'étonne pas. C'est comme ça que vous réglez tous les problèmes de votre vie. Par la force brute et l'intimidation. Et regardez où ça vous a mené. Dans un enfer que vous avez créé. Baissez votre arme. Utilisez votre tête au lieu de vos poings, une fois. Nous avons le même objectif, Sébastien. Nous pouvons nous entraider. Rejoignez-moi. Vous, vous retrouverez votre fille. Et moi, eh bien, j'aurai le pouvoir du noyau. Je sais déjà qui a lié. Oui. Et Mira ne la lâchera pas si facilement. Quoi ? Où sont-elles ? J'aimerais pouvoir vous le dire. Mais vous n'êtes pas prêts. Vous devez intégrer mes fidèles ouailles avant que je puisse vous en dévoiler davantage. Bordel, dites-moi où elle est ! Acceptez mon offre. Je peux vous mener hors de vos propres ténèbres. Je peux vous mener à Lily. Désolé, je ne suis pas l'un de vos fidèles. Qu'il en soit ainsi. Vous souffrez tellement. Vous êtes constamment hanté par les événements du passé. Je vous ai montré la voie. Vous devez comprendre que je suis là pour vous aider. Ouais, mais encore un père psychopathe là. Il y avait un père qui était transformé en zombie, et là on a un père psychopathe là. Pas en tant qu'adversaire, mais en tant qu'allié. Nous nous reverrons, Sébastien. Oh, arrêtez de tirer, s'il vous plaît. Lily ? Eh ben, enfin réveillé, c'est pas trop tôt. J'aurais bien besoin d'un petit coup de main. Tu sais te servir d'un flingue, pas vrai? On dirait que c'est celle qui a fait dans Resident Evil 5. Mais je pense que c'est pas elle. Prends ce côté. Canardelez jusqu'à ce qu'il crève ou qu'on ait plus de munitions. Qu'est-ce qui se passe ici? On parlera plus tard. Contente-toi de rester en vie. Joli coup. Pas mauvaise, toi non plus. C'est pas ta première fois, on dirait. Je compte plus, à force. Vite, fais le plein de munitions. Il y en a d'autres qui arrivent. D'accord. Mais j'aurai besoin de réponses quand tout ça sera fini. Surveille nos arrières. Il y en a d'autres qui arrivent. Bordel, ils sont partout! Ne les laisse pas t'encercler! Merde, ces saletés arrivent de partout! Hé, hey, viens me filer un coup de main, tu veux? Économise les munitions. Bah bien sûr, hein, c'est ce que je fais, mais...
C'était quoi ce bruit? Oh merde! Fais gaffe! Ah, qu'est-ce que c'est que ces saloperies? T'en fous, Ripley! Je suis dans un sale état. Je crois que c'était le dernier. Viens, il faut qu'on bouge. Par là. Merci. Je m'en serais pas sortie toute seule. Je m'appelle Esmeralda Torres. Moi, c'est... Sébastien, je sais. Ah bon? On dirait qu'on les a eus. On ferait mieux de bouger avant qu'il en arrive d'autres. Comment j'ai atterri ici? Mais toi, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas le moment de poser des questions. Ma planque est pas très loin. On discutera en route. Viens. Prends ce qu'il te faut. Je t'attends dehors. Réserve naturelle d'Union. Il pourrait y en avoir d'autres. Dis-moi au moins comment tu connais mon nom. Kidman m'a demandé de garder un œil sur toi. Kidman. Elle a dit qu'elle essaierait d'obtenir ton aide si le plan foirait. Et tu es là, donc... Attends. Je suis perdu, là. Quel plan? Sortir Lily de là et... éliminer Mobius une bonne fois pour toutes. Attends un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Merde. Laisse-moi deviner. C'est le chemin qui mène à ta planque? Il doit y avoir un autre chemin. Suis-moi. Attends, une seconde. Ton plan. Kidman m'a jamais parlé de ça. Tu m'étonnes. J'imagine qu'elle a pas pu te donner les détails devant tout le monde. Par ici. L'un de nous doit lever le tronc pendant que l'autre passe dessous. D'accord. Compris. J'arrive. Allez, passe! Oh, ça va aller? Je peux t'aider? Bouge ton cul avant que je te lâche sur la tronche! Ok, c'est bon. Merci. Une super badass! Tu veux faire une petite pause, papy? Qui me traite de papy, là? Oh! Je suis pas vieux à ce point-là, hein! Kidman avait un plan pour faire tomber Mobius. En fait, c'était le plan de ta femme. Quoi? Mira? Alors c'est pour ça qu'elle est là. Elle fait partie de Mobius. C'est n'importe quoi. Va falloir se baisser. Va pas te faire un tour de rein. Lâche-moi un peu avec ça, Torres. Tu peux être fier de ta femme, tu sais. Elle est persuasive. C'est elle qui m'a recruté pour ce plan. Je comprends pas. Pourquoi elle les a rejoints? Elle a découvert qu'ils détenaient l'île. Non, je regarde pas ses fesses. Non, non. Était depuis l'intérieur. Alors elle les a rejoints. Bande de petits coquins que vous êtes. C'est donc là qu'elle était. Pendant toutes ces années. Je sais qu'elle est super badass, mais... C'est dur à digérer. Je veux bien. Serait top qu'elle pourrait rester avec nous. Restons concentrés. Faut qu'on passe de l'autre côté. Tu peux m'aider? Ouais, bien sûr. Prête. C'est bon, je te tiens. Ouais, ça va. Et moi, je fais comment? Hé, tu vas quand même pas me laisser là.
Quoi ? Tu croyais que j'allais t'abandonner comme ça ? Bah, bien sûr. Tire ! Mais tire à bon sang de bon sort, t'es super badass. Le plan. Ok. Qui d'autre faisait partie de votre petite mutinerie ? On n'était que quatre. Moi, Kidman, Mira et Théodore. Quand il y aurait une salle. Salle de sauvegarde, je. Le père Théodore ? Le père Théodore ? Moi, je l'appelle Théodore Wallace. Tu le connais ? Je l'ai rencontré. Mais il a pas envie de sauver Lily. Il la veut pour lui tout seul. Il a même essayé de me convaincre de traquer Mira. C'est lui qui a tout fait foirer. Et. Qu'est-ce qui était censé se passer ? Une fois Lily récupérée par Mira et Théodore, lui et moi devions la faire sortir pendant que Mira s'occupait de Mobius. Et Kidman devait s'assurer qu'on puisse sortir du STEM depuis l'extérieur. Merde, c'était censé être facile. Rien n'est jamais facile. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah putain ! Vite, suis-moi. Désolé pour ta planque. J'aurais pas mis ma planque en évidence comme ça. Elle est cachée. Mais faut qu'on passe ces trucs pour l'atteindre. Tu vois la bannière rouge derrière cet immeuble ? Ouais. La trappe qui mène à ma planque est dessous. Ok. Je passe devant. Suis-moi et reste à couvert. Ok. Mais écoute-moi. J'ai déjà vu ces choses-là avant. T'approches pas d'elles quand elles sont en feu. Thank you.
Bon, l'essentiel, c'est le résultat. J'avoue que je m'attendais à un peu plus de discrétion. Je me suis fait affaire à des choses comme ça aussi, hein, t'en fais pas, hein. Mais, qu'est-ce qu'il dit, le vieux papy, hein? Il sait pas se défendre avec les flammes? Non, mais, purée de pomme de terre. Mais une planque, c'est pas mal non plus. Bon. Bon, on va s'arrêter là, hein. Peur à cause de la quantité. S'il y a une sauvegarde, on s'arrête là pour cet épisode. Franchement, on a bien avancé. Encore une fois. Franchement, c'est encore une fois, on a bien avancé. Oh là là. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour Théodore? J'en sais rien. Il est complètement fou. Son repère semble tout droit sorti de l'Inquisition. Je devrais être soulagé que Lily soit avec Mira plutôt qu'avec lui, mais... Quoi? Lily est avec Mira? Ouais, mais je suis pas sûr qu'il faille s'en réjouir. Elle est... différente. Cet endroit semble l'avoir affectée. Elle se cache pour protéger Lily de Théodore. Et il reculera devant rien pour les trouver. Si j'arrive à l'arrêter, peut-être que Mira retrouvera ses esprits et qu'on pourra sortir Lily de là. Alors, tu veux tuer Théodore? Ouais. Mais il va d'abord falloir le trouver. Comment tu comptes t'y prendre? O'Neill devrait pouvoir m'aider. Je vais l'appeler. Mais il faut d'abord que je prévienne Kidman. D'accord. Mais fais gaffe à ce que tu dis par communicateur. Elle est sûrement dans la salle de contrôle avec ce serpent qui lui tourne autour. Mieux que ça, je l'ai éliminé. Bien. Et Lily? Elle m'a échappé à nouveau. Je suis désolée. Vous avez une piste? La bonne nouvelle, c'est que j'ai rencontré l'agent Torres. Ses informations m'ont été précieuses. C'est une bonne nouvelle, en effet. Quelle est la mauvaise? La mauvaise, c'est que quelqu'un de plus puissant que Stefano veut prendre le contrôle de cet endroit. Et pour ça, il a besoin de Lily. Torres m'a dit que vous le connaissiez. C'est un sacré beau parleur. Bon sang, je crois que je vois de qui vous parlez. Je vous envoie quelques trucs utiles dans votre salle. Tenez-moi au courant. Vous savez que je suis là pour vous. Je sais. J'ai confiance en vous. Bon. Il est temps de passer aux choses sérieuses. O'Neill, c'est Sébastien. Répondez. C'est pas normal. Je vais essayer de le trouver. Toi, tu restes ici et tu prépares tes armes et tes explosifs. J'aurai besoin de ton aide quand j'aurai localisé Théodore. Je peux accéder à la moelle d'ici? Ouais, il y a un ordinateur de Mobius dans cette pièce. Il t'amènera à la sortie 72. Super. Je t'appelle quand je suis prêt. Bonne chance, Torres. Ok. Bonne chance à toi aussi. Et voilà! Reconnexion! Chapitre 11. On a fini le chapitre 9, on a fini le chapitre 10. Et du coup, traverser la moelle pour retrouver, O'Neill. On va sauvegarder. Donc on a fait quand même deux chapitres dans cet épisode. Et franchement, ils sont rapides à les faire, mais... Je sais pas, il nous reste combien d'épisodes, réellement, combien d'heures de jeu pour terminer. Donc voilà, mais franchement, on a plutôt bien avancé. Franchement, je suis très content. Hop, tac. Voilà. Ok, non, j'ai pas besoin de café. Ok, l'écriture dans le journal... Ok. Et ben voilà les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. En tout cas, merci de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode sur The Evil Within. Allez, en tout cas, je vous dis à très bientôt. C'était Max. Et on va voir ce qui se passe réellement. Je sais pas où il est. Reconnexion, traverser la moelle pour trouver un moyen de rejoindre O'Neill.
Eh ben, on fera ça dans le prochain épisode. Allez, c'était Max, et ciao tout le monde.